tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Oh là là, mais Océane se cache. Mais pourquoi tu te caches? Mais qu'est-ce qu'elle a, Océane? Mais Corentin, qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? La varicelle. Ah, la varicelle! Oh là là, alors elle est toute couverte de boutons, donc elle se cache. Oh, ma chérie, ça va? Ça pique pas trop? À l'œil un peu, ouais. La varicelle, c'est pas marrant, mais une fois qu'on l'a eue, en principe, on ne l'a plus du tout. Alors aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des gâteaux en étoile. Alors non, on va faire des cookies en reine des neiges. De la reine des neiges, voilà, c'est mais ça. Mais bleu cette fois. Bleu, oui, ce sera des cookies à l'effigie de la reine des neiges. Alors, est-ce qu'on commence la recette? Oui. 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 Pour commencer, alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le saladier? De ça. Alors, nous allons mettre les 250 g de sucre. Alors, Océane verse tout le sucre. Corentin, toi, tu vas mettre quoi? Le beurre. Tu vas mettre le beurre? Ok. On met le beurre. Hop là. Hop là. Voilà, ça suffit, je pense, Océane, que c'est pas grave s'il y en a un peu au fond du plat. Le beurre, tout le beurre. Le beurre, très important, il faut que ce soit du beurre pommade. Donc c'est du beurre qu'on a sorti à l'avance du frigo pour qu'il soit mou. Voilà, Corentin est en train de galérer avec le beurre. Vas-y avec les doigts, Loulou. Va le chercher avec les doigts. Ah. Et Océane va mettre... la levure. Ça. Et Océane va mettre le sucre vanillé. Voilà. Et maintenant, Corentin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger pour faire crémer, ce qu'on appelle crémer le beurre. Tu tiens ça, allez. Allez, on remet bien, bien, bien. Il faut que le beurre soit vraiment... Il faut que le beurre soit vraiment mélangé avec le sucre et ça va faire une espèce de crème. Surtout fondu. Non, pas fondu, mélangé. Mélangez-le. Alors, je crois que maman va vous aider un petit peu. C'est dur? Ouais. Ah, voilà, c'est bien mélangé. Alors, maintenant, Océane va rajouter... les œufs. Tu rajoutes les œufs? Oh, c'est pas que ça fait liquide. Ouais, les œufs, ça va faire un peu plus facile à remuer. Et voilà, et Corentin va continuer à remuer, à remuer, à remuer pour bien incorporer les œufs au mélange. Mais là, c'est un peu plus facile, non? Ouais. Oui? Bah, quand même. Alors, je crois que c'est bon, chérie. Maintenant, tu vas pouvoir mettre quelques gouttes de colorant alimentaire bleu à l'intérieur. Oh là là, pas beaucoup, hein? Je vois qu'il y en a sur le plan de travail, mais bon, c'est pas grave. Attention. Alors, nous, on a pris du colorant alimentaire liquide. Et par contre, le couleur bleu. Peut-être 3 gouttes. Et voilà, on mélange et on voit ce que ça donne. C'est pas grave si c'est trop bleu parce que... C'est un petit peu bleu. Non, c'est vert. Non, c'est bleu. On va peut-être en rajouter 3 de plus, mon loulou, parce que c'est pas assez la couleur. Ouais, c'est vert. On y va vraiment doucement avec le colorant parce que il vaut mieux y aller en plusieurs fois que d'en mettre trop la première fois et après, bah, on peut plus rattraper. Ouais. Ça fait quand même joli en plus. Ouais. Voilà, on a rajouté pas mal de colorant quand même pour que la couleur soit d'un bleu assez joli. Alors maintenant, on va arrêter avec le fouillis. Je crois qu'on va mettre ça déjà. Quoi, on a du clown. Alors, on a pris une cuillère en bois
Et maintenant, Océane va mettre la farine à l'intérieur en faisant bien attention et Corentin va remuer afin d'obtenir une jolie pâte. Jolie pâte bleue. Qu'on va pouvoir travailler. Et aussi, le demi-sachet de levure, Océane. De levure ? Oui, de levure. Il est où ? 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 Il est là, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Hop là ! Et le demi-sachet de levure. Allez, Corentin, on remue, on remue, on remue. Oh, doucement, doucement, doucement. Ah, Corentin, Corentin, je voudrais un bonhomme de neige. Embrasse-moi, bonhomme de neige. C'est toi le bonhomme de neige. Oh là là, partout. Il a pu mettre un tablier. Il aurait pu mettre un tablier, ouais. Bah bon, le tablier sur les bras, c'était pas... Allez, tu remues. Je crois que maman elle va t'aider un petit peu parce que c'est un peu dur les enfants. C'est pas super. La pâte est prête. Waouh. Quentin est en train de faire des bêtises, je sens qu'il va en avoir jugé. Je le sens. Alors maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que la pâte est prête, on va prendre du film alimentaire qui est là-bas derrière. Et on va façonner des petits boudins. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le coudrant ? Attention, ben ça c'est dangereux, hein. Donc comme je vous disais, on va faire des petits boudins. Donc ça c'est maman qui va le faire parce que c'est un peu compliqué les enfants. Complètement déjanté. Enlevez-vous. Alors maintenant nous allons prendre du film plastique. Voilà. Pardon Océane, je veux pas te mettre toi sous plastique quand même. Alors nous allons dérouler le film plastique. On va vous lire bien. Voilà. Grand. Pour faire ça bien. Oh, il veut que de s'enrouler. Voilà, c'est... Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a déroulé le film plastique, on va mettre la pâte. L'intérieur. À l'intérieur. Mais surtout, elle a fait une bêtise, maman, tout à l'heure. Oui, maman, tout à l'heure, elle a fait une bêtise. Elle a dû recommencer. Cafetès. Alors, une fois qu'on a fini notre petit tas, on coupe le papier. Là. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire comme un gros boudin. Alors, gros boudin. On va essayer de couper sur les côtés. Comment ? On va couper comme ça. Il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. Donc voilà, donc je vais l'affiner un petit peu. Voilà. Parce qu'en fait, alors je vous explique pourquoi nous faisons ce boudin. C'est pour pouvoir après trancher dedans des petites tranches pour faire nos cookies plus facilement, plus régulier. Voilà, donc là on l'a fait. Donc là on l'a fait bien un joli saucisson. Le joli saucisson qui est gros. Regardez ça comme il est beau. Oh, il est beau. Il est magnifique, non? Ouais. Il est beau, hein? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien, on va le mettre au frigo pendant une heure pour qu'il durcisse un peu, pour qu'après, on puisse couper les petites tranches pour les faire cuire. Alors, à tout à l'heure. On aime ce boudin. Oui, tout à l'heure. Oh, c'est qui me l'a fait là? C'est moi! Alors, on se retrouve à Saint-Corentin. Parce qu'il a l'anniversaire de sa copine. Et oui, il est à un anniversaire de sa copine. Donc, il a dû nous quitter. Mais nous, on continue la recette, hein, c'est pas grave. Hein. Oui. En plus, c'est une super recette. Pour les filles en plus, la reine des neiges, mon Corentin aussi aime bien la reine des neiges parce qu'il aime bien Olaf. Ouais.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper les tranches comme ça. Alors, on va couper les tranches. Alors, j'aide Océane parce qu'elle est trop petite pour couper toute seule. Donc, on va d'abord couper. Et Corentin, il est grand. Oui, Corentin est plus grand. Donc, voilà. Donc là, on va couper en deux parties. On va mettre une, on va remettre une au frigo. D'accord, je reviens. Je mets ça au frigo, ma chérie. Oh, c'est frais, c'est quoi là? On va commencer par une. Donc là, on va la... dérouler. La dé... tu as déjà roule toi, oh. Pourquoi c'est maman qui travaille? C'est pas moi de travailler. Hop là, attention. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Les boules de neige. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... du papier cuisson. Voilà. On va couper des tranches, on va les poser dessus et on va faire quoi dessus? On va les démouler. Décorer. Allez, tu coupes? J'ai coupé tout. Ah oui, c'est vrai qu'Océane est gauchère. Vas-y, coupe. Hop là. Et puis ce bout-là, on va le prendre. Voilà. Donc ça donne des petits bouts comme ça. Et ce petit bout là, on va le prendre, on va le refaçonner un petit peu parce qu'il n'est pas très rond. Ah non, c'est trop gros, Océane. Et on va le poser là. Océane, c'est trop gros. Océane, elle ne nous fait pas des cookies, elle. Elle fait carrément des cakes. La moitié de ça, ça suffit, tu vois. Hop, essaye de le refaire un peu rond, lui. Hop. C'est un peu... Parce qu'il faut savoir que votre cookies, quand vous allez le cuire... Tiens. Eh bien, il va s'étaler un peu. Donc voilà, nous avons fini. Donc, nous avons fait deux plaques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les démouler. Non, les décorer. Oui. Ah, t'es nul, démouler, les fruits. Il n'y a pas de moule. Alors, on va les décorer avec quoi? Avec des petites perles. Waouh, c'est super joli. Et des petites étoiles blanches. Alors, regarde comment on va faire. Tu vois, tu prends les étoiles, les autres. Regarde. Moi, elle va mettre à tout le monde, et toi, tu fais. Hein. Hop, regarde. Hop. 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 Tu vois, je vais faire sur celui-là. Comme ça, vous voyez bien. Ben, j'en ai fait un qu'on voit pas. Hop. On met des petites étoiles dessus. C'est joli. Oui. Et on décore avec les petites étoiles. Après, on va mettre ça. On prend les petites perles. Voilà. Et hop, qu'on met dessus. Alors, on les incruste bien dedans. C'est pour ça bien quoi. Comme ça, quand ça va cuire, eh bien, ça va faire comme les pépites de chocolat, sauf que ce sera des petites formes en sucre. Mais ça, c'est des coquillettes. Tu fais toi? Oui. Allez, vas-y. Ah, voici ce que ça donne. Voilà, on l'a décoré le cookies pour qu'il soit tout joli. Je t'aide. Hein? Parce que moi, c'est un peu petite. Oh, tu es une grande fille quand même. Oui, mais j'ai 4 ans. T'as 4 ans, oui. Mais le grand âge, ici, c'est comme ça, 6. Si c'est comme ça, du coup, ça fait beaucoup. Oui. Alors ça y est, c'est terminé ma chérie? Oui. Oui. Alors à quoi ça ressemble? Oulala, mais c'est super beau. Donc, et voilà. Moi je vais aplatir tout. Et toi tu l'as aplati un petit peu pour y rentrer dedans. Ok. Alors ça, on va le mettre sur une grille, comme ici. Et on va le recouvrir d'une deuxième feuille de papier sulfurisé. Pour éviter qu'il ne dort, qu'il change de couleur. Bon, c'est vrai que nous, on voulait du bleu. On a plutôt du vert, mais c'est plutôt sympa, hein? Hein? Après, c'est à vous de voir les couleurs. Mais c'est vrai que nous, toutes les vidéos qu'on fait, on n'a pas testé avant. On les teste vraiment en vidéo pour vous. Voilà, donc on a une jolie couleur. Et puis là, on va les recouvrir. On va tester, on va recouvrir
d'une autre feuille, comme ça, de papier cuisson, pour éviter qu'il ne brunisse, avec une jolie grimace d'Océane. Alors, on les a recouverts d'un papier cuisson pour éviter qu'ils brunissent. Et là, on va les mettre pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc, on les enfourne et on vous retrouve tout de suite après pour la dégustation. À tout de suite! Et voilà, les gâteaux sont prêts. On les a mis à refroidir sur le lit et voilà ce que ça donne. Bon, ils ont quand même un petit peu doré. C'est mou. Mais ils sont sympathiques. Ils sont jolis? Ouais, je peux en manger un. Tu veux goûter? Allez, maman, tu en goûtes un? Voici, ils sont encore, ils sont moelleux. Encore, c'est normal. T'as pris, il sèche. Et est-ce qu'il est bon? Mmh. Il est bon? Il est bon. Ils sont super bons. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu vers le haut. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous dit au revoir les amis, à plus tard. Bye bye. Bye bye.